Si tu te retiens d'éternuer, voilà ce qui pourrait t'arriver. On se penche rarement sur le processus d'éternuement parce que, après tout, qu'en dire ? Et pourtant, tu serais surpris d'apprendre que le simple fait de ne pas se laisser aller à éternuer peut causer des ravages considérables sur ton corps. Continue à regarder cette vidéo pour être au courant de ce qui peut t'arriver si tu t'empêches d'éternuer et ne jamais être cette personne qui dira « Un éternuement m'a conduit à l'hôpital ». N'oublie pas non plus de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Tu as peut-être appris étant enfant que lorsque tu éternues, tu devrais te couvrir la bouche pour éviter de propager les germes. Mais il est possible que personne ne t'ait jamais dit ce qui se passerait si tu te retenais d'éternuer. Après tout, éternuer est censé être une chose assez simple, non ? Ton nez détecte une chose qui l'irrite et veut l'expulser, alors tu éternues et c'est fini en quelques secondes. Mais éternuer n'est pas un processus aussi simple que ça en a l'air. Il y a beaucoup de substances fortes et irritantes qui peuvent déclencher un éternuement. Il peut s'agir d'une de ces allergies désagréables qui te font couler le nez tous les printemps, de l'exposition à la fumée, un parfum trop fort, ou aspirer des acariens par le nez pendant que tu nettoies ta maison. Toutes ces petites particules entrent en contact avec les petits poils à l'intérieur de ton nez. Et un signal électrique est alors envoyé à ton cerveau pour lui faire savoir qu'il y a quelque chose qui doit être expulsé via le passage nasal. Avant même de pouvoir penser à tchou, tes yeux se ferment automatiquement, ta langue se déplace vers le palais et les muscles de ton corps se préparent à l'action. Voici un fait intéressant. As-tu remarqué que tes yeux se ferment lorsque tu éternues ? On croit souvent qu'on ne peut pas éternuer avec les yeux ouverts. Cependant, selon David Stone, MD, doyen associé du Texas A&M College of Medicine, certaines personnes peuvent bien y parvenir. Et cela ne veut pas dire que tes globes oculaires vont sortir de leur orbite. Mais même si tu peux le faire, quand tu sauras ce qui se passe lorsque tu étouffes un éternuement, tu ne voudras peut-être pas trop tenter l'expérience. Un éternuement est une bête surpuissante qu'il faut respecter. Selon la Cleveland Clinic, les éternuements peuvent faire voler du mucus à une vitesse pouvant atteindre 161 km par heure. Imagine ça une seconde et tu auras une idée du pouvoir stupéfiant de la chose. Alors quand tu évites de le faire, qu'est-ce que tu crois qu'il se passe ? Si tu étouffes les plus violents éternuements, tu peux croire que tu vas imploser sur place ou avoir une attaque, mais rassure-toi, cela n'arrive que dans les livres et films de fiction. Ce qui peut arriver en revanche, c'est que tes tympans et ta gorge subissent des dommages importants. Normalement, un éternuement devrait te coûter juste un peu de mucus expulsé et quelques mouchoirs au maximum. Mais plusieurs personnes aux États-Unis ont dû payer des milliers de dollars pour une visite à l'hôpital. Selon l'étude d'un cas publié par le British Medical Journal, un Anglais de 34 ans a tenté de ne pas éternuer, mais la force a été tellement forte que cela lui a déchiré les tissus mous de la gorge. L'auteur de l'étude de cas a affirmé que l'homme s'était retenu depuis plusieurs années, car il pensait que ce n'était pas hygiénique d'éternuer en extérieur ou sur le visage de quelqu'un. Mais c'est la dernière fois qu'il étoufferait ses éternuements, et a bien appris la leçon. Pour cet homme du Royaume-Uni, avoir étouffé son éternuement a endommagé son pharynx et formé des bulles d'air dans son cou. Cet accident s'appelle la crépitation et a endommagé les tissus mous de son cou. La puissance de l'éternuement devait trouver un moyen de s'échapper et comme les voies nasales et buccales étaient fermées, il est sorti par le cou et est revenu par la gorge. L'homme courait un grave risque d'infection au cou et à la poitrine. Lorsqu'il a été hospitalisé, il avait perdu sa voix et ne pouvait plus avaler correctement. Il a été mis sous sonde alimentaire et une semaine après, il a pu sortir avec une histoire incroyable à raconter. Lorsque tu essayes de stopper un violent éternuement, tu peux causer des dégâts à ton pharynx et ton cou, perdre ta voix et avoir des difficultés pour avaler ou être complètement incapable d'avaler. De plus, tu peux également abîmer tes tympans et tes sinus. Et il ne s'agit pas seulement de ce qui peut arriver à tes muscles. Lorsque tu retiens un éternuement, tu gardes l'agent contaminant à l'intérieur de ton corps. Éventuellement, il peut s'infiltrer plus profondément dans ton corps et t'exposer ainsi à un risque d'infection. Les infections de l'oreille moyenne peuvent ainsi survenir lorsqu'un éternuement est retenu à l'intérieur et que le mucus contaminé se propage par les trompes d'Eustache vers tes oreilles. Quand on parle des conséquences potentielles pour tes oreilles, ce n'est pas seulement une douleur ou une infection. Selon le docteur Michael Benninger, otorhino-laryngologiste et président du Head and Neck Institute de la Cleveland Clinic, certains patients ont souffert d'une rupture des tympans et même d'une fracture des côtes à la suite d'un éternuement. Ce serait dommage de te blesser, d'autant qu'il est très facile d'éternuer correctement.
Tu devrais apprendre comment procéder, surtout si tu souffres d'allergies saisonnières, si tu as un rhume ou si tu es régulièrement exposé à des allergènes qui déclenchent ton réflexe d'éternuement. De nombreuses maladies se propagent comme ça. Le rhume, la coqueluche, le streptocoque, la varicelle, la méningite bactérienne et le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, parmi tant d'autres. Donc, si tu es malade, sois un bon voisin et suis les règles d'étiquette pour éternuer comme il faut. Le CDC, Centre de contrôle et prévention des maladies, recommande de se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsqu'arrive un éternuement. Assure-toi de jeter le mouchoir en papier après une seule utilisation. Jette-le dans une poubelle où personne ne peut y toucher. Tu seras peut-être surpris d'apprendre que si tu n'as pas de mouchoir en papier sur toi, tu devrais éternuer dans le haut de ta manche et pas dans tes mains. Cela peut sembler étrange, puisque la norme a toujours été de se couvrir avec les mains. Mais ces nouvelles lignes directrices d'hygiène n'ont été établies qu'au cours des 10 à 15 dernières années, de sorte que peu de gens les connaissent. En effet, si tu éternues dans tes mains, il est plus que probable que tu transmettes ensuite l'infection à d'autres personnes. Tu toucheras très certainement des poignées de porte, appuieras sur les boutons de l'ascenseur et mettras tes mains sur des lieux publics, auxquels d'autres personnes seront exposées. La nouvelle norme est recommandée par les CDC, l'American Academy of Pediatrics et l'American Public Health Association. Même si tu utilises un mouchoir en papier, lave-toi toujours les mains par la suite. Ne les passe pas juste sous l'eau. Assure-toi de te laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes en savonnant vraiment partout, y compris sous les ongles. Il y a des moments où éternuer semble être la pire chose que tu puisses faire. Lorsque tu es dans un ascenseur rempli de gens, tu prépares à manger, que tu es au cinéma avec plein de monde, quand tu es chez le dentiste et lorsque tu récites des répliques shakespeariennes dans un théâtre bondé. L'avantage, c'est que si tu en as l'occasion, il existe des moyens de te faire éternuer à l'avance. Chez certaines personnes, la génétique peut jouer un rôle important et les aider à éternuer sur commande lorsqu'elles regardent une lumière intense. Si tu ne sais pas encore si tu peux le faire ou non, essaie cela la prochaine fois que tu sentiras arriver un éternuement. Tu peux aussi essayer de masser l'arête de ton nez pour stimuler le signal électrique qui dit à ton cerveau d'éternuer. Une autre façon qui fonctionne bien, agite simplement un mouchoir en papier sous ton nez, juste assez près pour que l'extrémité du mouchoir stimule les poils à l'intérieur de ton nez. Cela pourrait faire l'affaire. Si l'éternuement arrive d'un coup, où que tu sois, il vaut mieux éternuer que risquer de te faire mal à la gorge et aux oreilles. Comme on dit, vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Alors la prochaine fois que ton corps voudra se débarrasser d'éléments qui l'irritent, laisse-le faire. Mais assure-toi de protéger les autres de tes germes en te couvrant correctement la bouche et le nez. Et protège-toi ensuite en te lavant les mains. Qui aurait cru qu'éternuer pouvait causer autant de dégâts? Tirons tous les leçons de cette situation et ne retenons plus jamais un éternuement. Alors dis-nous, abonné de Sympa, as-tu déjà essayé de ne pas éternuer? Fais-le nous savoir dans la section des commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.